Attends, avant de se lancer, j'ai envie qu'on se fasse une poignée de main virtuelle juste. T'es d'accord qu'à partir du moment où on clique, on rentre dans un RP si profond qu'on est presque plus nous-mêmes, tu vois. Tellement ça devient. On rentre vraiment dans un nouveau monde, quoi. C'est une nouvelle vie qui nous attend. Oui, je suis chaud. Ok, je suis très chaud. Poignée de main virtuelle. Hop. Je t'ai serré la main, moi perso. Ouais, moi aussi, bah bien sûr. Attends. Par contre, j'ai serré la main gauche, quoi. Moi aussi, j'ai serré la main gauche. Oh putain, bah voilà, parfait. Du coup, c'est la bonne poignée de main, yes. Allez, c'est parti. Je clique. 3, vas-y. 2, 1, let's go. Ok, j'arrive. C'est trop stylé, viens, on s'installe là. Maintenant, gros, on est en pleine savane. T'es où, toi, Théo? Ah, t'es là, Théo, 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 j'étais un plus bas. Oh, oh mec, t'es marre. Regarde la grotte là-bas, là, elle a l'air, il y a l'air d'avoir une putain de grotte. Attends, que ça. Au loin devant moi. Attends, gros, t'es pas aussi peur du précipice, tu me donnes le vertige. Il y a un trou noir tout en face, tout en face. Regarde mon visage, là-bas. J'analyse ton visage. Là-bas. Bah, t'es plutôt blond, aux yeux marrons. Toi, t'es plutôt noir avec une cicatrice. Ah oui, là-bas, je le vois. Ouais, ok, je vois. Ok, je le vois. J'ai le curseur dessus. Ça me donne envie d'y aller, mais on va se perdre si on y va. Viens, on tue les vaches pour avoir à manger déjà. Exactement. Pour l'instant, on va juste tuer un petit peu de moutons, un peu de vaches. Attends, mais j'ai pas de son du jeu. Je relance Minecraft en balle. A few moments later. Et t'es PRP, les graphismes, comment ils vont changer dans le monde. Ah attends, petite question que je me pose là comme ça à l'instant T. Hier j'ai fait un stream où en gros j'ai mis des réglages en mode le temps ne bouge jamais, le soleil non plus et tout là. Est-ce que là c'est la même chose ou... Regarde le soleil s'il bouge. S'il bouge pas, c'est pas RP. Ok, alors attends, il faut que je remette toutes les commandes. Oh là là, comment, mais attends, t'es un dieu, t'as réussi à figer le soleil dans le ciel. Alors en fait, moi je te fais une petite explication, mais si tu veux, en fait Théo en grec ça veut dire dieu. Et voilà quoi, ça se passe comme ça en fait. Je suis pas sûr que ce soit vrai, mec. Si c'est vrai par contre. Mais c'est vraiment le truc que sortent tous les Théo pour se justifier comme quoi leur prénom est stylé alors qu'en vrai non. Théo ça veut dire dieu. Ouais, en grec. Bah moi, mon prénom, ça veut dire aigle royal. Non, ou aigle vaillant, je sais plus. Enfin bref, je suis un aigle quelque chose. Tats, est-ce que... Il y a un mec dans mon chat qui dit... Théo, en birman, ça veut dire suceur de... Le soleil bouge, en fait. Y a pas besoin. Ah, il a bougé, là, c'est bon. En fait, je vois qu'il a bougé parce que je vois que le soleil se couche, quoi. Et pendant qu'on s'observe comme ça, là, je tiens juste à dire que le soleil se couche et qu'on a vraiment ouais, et rien que les monstres vont arriver et tout, ouais. On a toujours rien branlé. Donc l'aventure commence très mal. Et comme il va faire nuit, on va bientôt plus rien voir grâce à nos shaders. Ah oui. Est-ce qu'on enlève nos shaders pour la nuit? Parce que je pense que oui. Hein. Oui, oui, en vrai, mec, c'est injouable la nuit avec un shader. Oh, ouais, mec, il y a un zombie. Théo, viens m'aider. Parce que je crois que c'est long de taper. Il tape avec un établi. C'est pas très RP, gros, de porter un établi entier. On se fait des passes. Vas-y, à toi. Imagine un commentateur du Roland Garros là-dessus, mec. Incroyable. Mais c'est fou, c'est vraiment fou. Mec, je vais crever, en fait, je vais crever. Garde-le, garde-le. Attends, laisse-moi. Ok. Oh, mais je l'ai joué. Mec, viens, je me mets près d'un village pour trade. Tu veux vraiment trade les villageois, moi? Genre que j'ai juste envie de leur claquer, de mettre des petits claques sur le téco du crâne, là. Vas-y, bah tu sais quoi, s'ils trade pas, on les tue. J'ai toujours fait des aventures où je suis gentil, viens, on est des bad boys, mec. On est des bad boys dans cette série, genre on est un peu les gangsters de la Tess. Attends, juste... Non, non, arrête! Quoi? Tu sais nager? Oui. Tu m'as fait peur, mec, parce que je... Moi, tu sais que j'ai un peu de mal avec ça. Hein. Je suis pas certain de m'en sortir. Mais si, gros, t'inquiète. Mais crois, elle est super froide, mouille-toi la nuque au moins avant d'y aller. Mec, de mon point de vue, ça marche trop. Tu te mouilles la nuque, là? Bah oui, je me mouille la nuque, t'es ouf. Mais tu joues RP, mais là, je te vois marcher sur l'eau, gros. Attends, ouais, comme ça. Mec, mon dieu, RP, mais il pue un peu la merde. Oh, y'a un village! Bah voilà, tu vois! Y'a un village! Mais gros, on a eu tellement de chats, on a cherché une minute. Oui, de ouf. Il a l'air grave grand en plus, what the fuck, comment ça se fait? Mec, attends, on est des gentils ou on pille sa mère, mec? On pille tout, gros, tout on est gentil. Vas-y, allez, on pille tout. Oh, direct, j'arrive, un coffre, gros. Moi, je veux aussi des trucs pour faire des bibliothèques. Ah, mec, ça, c'est une aubaine, par contre. Je prends tout, mec. Bon, bah, les couilles, je prends les portes et tout. On les ruine, mec. Pitou, pitou. Eh, hey, Théo, viens me voir vite fait, mec. Hôte, combien tu tapes la statue là? Lui là? Ouais. Hôte 4. Sérieux? Ouais. Oh mec, viens, on fait un hôte combien dans Minecraft? Mais c'est trop bien, bah oui, bah oui. Vas-y, 1, 2, 3, 3, reverse. 1, 2, 3, 2. Yes! Cette pute. Allez, tape-le et on continue à piller le vide. Ah! Oh mec, mais il fait trop mal! Il t'a monté en l'air. Mec, il m'a démonté, gros, what the fuck? Ouais, gros, il a les yeux rouges. Ouais, mais mec, c'est sûr, il protège pas le village, il fume des joints. Mais gros, dis-moi s'il vient vers moi, s'il te plaît, garde un œil. Ouais, je garde un œil. Je suis sûr que t'as pas gardé d'œil. Pas du tout. Enculé. Je vais l'enterrer, attends. Ah oui, enterre-le comme ça, je suis safe. C'est crush sous lui et tout. Ouais, je fais ça, gros. Il m'a vraiment presque one shot, hein. Il me restait un cœur, gros. Ouais, mais il t'a soulevé direct, il a pas cherché à comprendre. Ah ouais, non, il s'en battait les couilles, t'es pas pour se faire un copain, lui. Bon, attends, je continue à piller le... Oh, un lit parfait. J'en ai pris déjà des lits. Tu nous as pris. En fait, je nous prends tout ce que je vois, mec. Vraiment, on est en train de
de ruiner le village. Par contre, t'as remarqué que c'était un village sans villageois? Il y en a, il y en a un là où je suis. Ouais, bouge-toi par contre, gros, avec ton gros pif, parce que crois-moi, il va pas rester longtemps là si je continue. Est-ce que tu... Ah ouais, t'es dark. Mais t'es dark ou quoi? Mais on a dit on les tuait. Ah ouais, on les tue comme ça, de sang-froid. Bah, je sais pas, on est des bad boys ou pas? Et il y en a un que je vais laisser en vie, gros, c'est celui chez qui j'ai volé des dalles. Lui, il va rester là et il va juste constater que le village est mort. Oh pardon. C'est lui. Oh c'est joli pour la déco ce qu'il y a par terre. Ouais bah regarde, on va lui voler. Et après ça il essaie de s'enfuir. Mais attends, t'es pas tout le monde mec. Je me disais mon chat ils vont les protéger. Là je me retourne, je vois des... Eh niquez-les, enculez-les. C'est horrible mec. Attends non non. En vrai gros moi je culpabilise déjà. C'est le dernier village que j'attaque. Quoi? Je veux pas être ça. Attends. Je veux qu'on fasse un pack de bad boy déjà gros. Non mais en fait ça me ressemble pas. Ça te ressemble pas? Non ça me ressemble pas gros. Regarde t'es pas voir le villageois en détresse comme ça. Regarde il panique. Non non gros ça me ressemble pas, c'est horrible. Regarde, tu dis pas le bad boy qu'il avait fait au début quand il a tué Watership. Imagine nous, nos chaînes elles vont couler alors qu'elles ont même pas commencé. Et bah tu sais quoi, on va lui donner un surnom à ce villageois et ça sera la mascotte de la chaîne. Ok, on va l'appeler Titouan. Tiens, je lui donne à manger. J'ai pas envie de l'appeler Titouan. Attends, on décide de ça ensemble. On a un couple ou pas? Comment ça un couple? Tu penses quoi de Enrique? Enrique, ouais. Et il protège son village. Viens, Enrique, sors Enrique. Enrique. Mais là, le mec, il veut pas sortir, on l'a enculé, on l'a tué tous ses potes. Gros promis, on a pas fait exprès. Viens, Enrique. Enrique, on se fait un accueil. Bah mec viens, on laisse Enrique tranquille, on l'a traumatisé, je peux le comprendre. Il sortira quand il sera prêt. Par contre il y a qu'Enrique qui survivra, hein. Je croise un seul villageois, j'ai enculé ses morts par contre. Non mais gros non, on n'est pas comme ça. On est des bad boys ou pas? Oui mais des bad boys qui laissent les gens tranquilles. Écoute, je vais être honnête avec toi, tu m'as corrompu déjà en bad boy, moi de base j'ai rien demandé. Et depuis que tu m'as corrompu j'ai pris goût à la haine. À la haine et à la violence. Non Dark Sasuke arrête. C'est trop tard Naruto. Je me suis perdu dans la violence. Il fait nuit. Eh, viens, on va dormir dans la maison d'un villageois. On va dormir avec Enrique, gros. Bon, ah ouais, si j'avoue, ça lui remontera le moral. Enrique, le sang de la bête, bien sûr. Comment t'es remonté, gros? J'ai posé plein de blocs de terre en dessous de moi. Trop cool qu'on les fait ensemble. Tu veux une aventure solo ou quoi? Prends ta main, gros, je t'aide. Attends, j'arrive. Ah, ça va pas trop marcher. Ça marche pas trop, là. Attends, je nous pose. Oh, mais mec, mon inventaire, il est déjà full. C'est Enrique dehors ou c'est un autre villageois? Il est où? Aïe! Gros, j'ai l'impression que c'est Enrique. Aïe! Il m'en veut encore l'autre! Je crois que oui. Ah non, il a tué le méchant. Attends, je regarde s'il vient me taper. C'est Enrique, lui, en bas? Je crois que c'est Enrique, ouais. Bah, je dors à côté d'Enrique, mec. Tiens, viens, je te mets un lit. Bah, putain, mais Enrique! Vas-y, t'es prêt à 3, on dort. Sinon, Enrique, il va nous enculer. 1, 2, 3. Fais toi, gros, j'ai l'impression qu'il va te soulever. Non, c'est bon, dors. Attends, je vais voir ce qu'il fait avec toi. Vite, je veux pas qu'il m'encule, mais vite. Il te marche dessus. C'est bon, je dors. Mais le village, gros, Enrique me monte dessus. Bah, moi, j'ai le gros golem qui me met ses couilles sur le nez. Qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas. Bien, attends. Ramassé mon lit, gros. Tu me le rendras, s'il te plaît? Ouais, tiens. Bizarre que t'arrives à porter des lits à bout de bras comme ça. Eh, le RP, ça m'arrange pas tout le temps, moi. J'ai tapé le golem, gros. C'est mon côté bad boy qui est ressorti. Tu t'es fait soulever? Mec, viens, on reviendra. Lui, c'est quoi ce golem? On le retrouvera dans l'aventure et on l'enculera. Il est trop violent, lui. La vie d'homme, heureusement que mon pote il me retient. Comment? Mec, viens, on fait une grande tour pour retrouver ce village un jour et revoir Enrique. Ou sinon, on note juste les coordonnées. Ouais, prenons les coordonnées. Je les note sur mon GPS. Aïe, mais gros, faut que tu viennes m'aider là. Il y a un squelette qui m'encule, mais mort. Il est où? Là, et il m'a fait vraiment souffrir, le martyr. Esquive-le. Ah bah c'était une guerre rapide. On va par où du coup gros? Moi je propose de continuer toujours tout droit jusqu'à ce qu'on trouve un biome qui nous plaise. Allez vas-y, let's go. Et si, à la mer. T'as vu, j'ai fait un remix de notre cri de guerre. Oui, c'est vrai que t'as fait un remix. Il te plaît pas? Moyennement, tu vois. Si à la mer on fait un bateau et tout, on s'en branle, on va toujours tout droit mec, ok? Ok, mais à la limite quitte à faire un remix autant, enfin tu sais, tu pousses le truc loin quoi. Je me sens ridicule mec. Oh, il y a un truc là-bas Théo. C'est quoi, c'est un temple? Ah, peut-être un puits. Si c'est un puits, c'est moins cool. Un puits, du coup on peut rien en tirer, tu puits juste de l'eau. OK. Bah, je sais pas mec. Vas-y, on continue tout droit. Ah, il y a un temple apparemment. Attends, mets sur pause. Les gens ont le flair. Attends, temple à droite du puits. Retournons au puits. Mec, si c'est des trolls, c'est grave. Mais attends, mais mec, je vois pas de temple, je te jure. Ah, peut-être ça charge pas assez. Ah oui, y'a un temple. Arnaud. T'es prêt gros, c'est pas n'importe quoi là. Là c'est pas des blagues. En tout cas, c'est la première fois que je te vois autant sauter en une journée en tout cas. T'es prêt Théo? Je veux t'attendre. Ok, je suis... Qu'est-ce que tu fais? Oh, attention! Oh fils de p... Oh pardon, c'est sorti tout seul. C'est pas grave, on est des bad boys, oublie pas. Ah oui, c'est vrai. Par contre gros, tu sais comment on... Oui, je sais tout faire pour le temple. Ok, vas-y, je te suis alors. Ok, fais attention. Surtout ne tombe pas. Oh mec, ça aurait pu être une vraie catastrophe si je tombais sur le truc, on explosait tous mec. Ouais, parce qu'il y a de la TNT, ouais, il y a la TNT en dessous. Allez, on fouille les coffres. 2 diamants mec. Une émeraude. Ah yes. Une armure d'enfer pour cheval. Bah attends, armure c'est bien par contre. Attends gros, la vie de ma mère, ça commence à me péter les plombs là. C'est ça être un bad boy, c'est on pille mais on pille que de la merde et du coup après mon inventaire il est plein.
Ça commence à me péter les plombs. Wow, une armure en diamant pour cheval. Mais moi j'ai eu des diamants gros. Attends mec, on devrait prendre les coffres. Mais oui, mais du coup quand tu pètes les coffres, il y a les objets de merde qui viennent avec là. Gros, j'ai ramassé une porte, je sais même pas pourquoi, à quel moment j'ai besoin d'une porte. Moi aussi j'ai trop pillé de trucs, je suis archi chargé, faut qu'on trouve vite notre maison gros. C'est dur d'être bad boy. Ouais grave, c'est pas une vie.